À l'instar de volume 1, où je me décrivais genre seul, frustré, en haisse, j'ai élaboré les morceaux du volume 2 en ayant créé un paradigme différent. Là où j'avais tout, l'argent, la gloire, avec les inconvénients bien sûr. C'est une projection optimiste, idyllique de moi-même. En fait, les morceaux que j'ai sélectionnés, qui, pareil, ont été enregistrés pendant les sessions du précédent volet, ont créé une narration d'un type qui, après avoir écumé et atteint un seuil de confort économique, je dirais, optimal, bah, je trouve l'amour. Et si tu veux, ce projet, c'est toute une évolution sur cette relation qui montre que, bah, qu'on ne gère pas les sentiments comme un compte bancaire, quoi. Bah, c'est pop. Il y a de la chaleur, c'est dansant, ça te donne envie de t'évader. Il y en a pour tous les goûts, c'est intemporel, mais à la fois ça garde une connotation locale. Ça se passe à Genève, quoi.